Je suis les destinées de l'école des chartes, à laquelle je n'appartiens pas depuis bien des années, à des titres divers, notamment comme membre du conseil d'administration et comme membre du conseil scientifique. J'ai même à plusieurs reprises présidé ce moment important de l'histoire de l'école qui consiste aux soutenances de thèse. La France et les Français aux temps médiévaux, quel sens attribuer à ces deux termes? Autrement dit, peut-on les employer et à quelles conditions, ou bien est-ce de toute manière absurde et stérile de le faire, ne serait-ce pas une source de fâcheux malentendus? Sans prétendre, loin de là, être le premier à l'aborder, je tourne autour du sujet depuis bien longtemps, depuis trop longtemps, au moins depuis 1987, l'année où, à l'initiative de François Mitterrand, il y eut la célébration du millénaire capétien, vu à l'époque comme le millénaire de la France. Il y avait même eu un comité national, comme aujourd'hui pour la bataille de Verdun, comme en 1989 pour la Révolution française, et il y avait eu une cérémonie dans la cathédrale d'Amiens, en présence du président de la République d'alors, François Mitterrand, et de ceux que je pourrais appeler les enfants de France, c'est-à-dire les petits-enfants du comte de Paris. Le résultat, c'est que la revue L'Histoire, qui est toujours, comme vous savez, à l'affût des sujets porteurs, avait fait un numéro spécial, 1000 ans d'une nation, la France et les Français, 1987-1987. Et dans ce numéro, j'avais écrit tout simplement un texte sur l'amour de la patrie. L'année précédente, marchant sur les traces d'Ernst Kantorowicz, mais dans une optique différente, j'avais écrit un autre texte, « Mourir pour la patrie, 10e-20e siècle », dans la collection, dans la publication imposante de mon éminent confrère et ami Pierre Nora, « Les lieux de mémoire, la nation ». Et ce qui m'avait frappé dans cette recherche de longue durée, c'était l'importance du 18e siècle, auquel on ne pense pas suffisamment. « Mourir pour la patrie », c'est une formule que même au siècle de Lumière, surtout au siècle de Lumière, commence à réémerger. Un autre texte encore que j'ai publié en 1994, d'abord sous une forme anglaise, The Norman Nation and the French Nation of the 14th and 15th Centuries, et puis il y a eu la version française un peu différente sous le titre La Nation Normande au sein de la Nation Française, 14e-15e siècle. J'ai écrit également en 1996 « Qu'est-ce qu'un étranger ?» Étranger entre guillemets, il faut toujours mettre des guillemets, surtout de nos jours. « Pour un Français de la fin du Moyen-Âge, contribution à l'histoire de l'identité française. » Et puis également, j'ai écrit à deux reprises des contributions au problème de l'Occitanie, de la Languedoc. La royauté française est à l'origine de la patria occitana, avec, non pas des guillemets, mais avec un point d'interrogation. Et puis j'y suis revenu un petit peu sur le sujet, la royauté française et le pays de Languedoc. Et dans ces deux textes, j'essaie de montrer que finalement, ces pays hétérogènes n'avaient guère conscience d'eux-mêmes, leur population, etc., et que c'est sous l'égide de la royauté française, parce que la royauté française découvrait cet espace et souhaitait l'intégrer à son ambition politique, que le terme de Languedoc, qui apparaît vers 1300, non seulement dans les sources françaises, mais également dans Dante, que à partir de 1300, l'époque de Philippe le Bel, et puis ça redémarre ensuite, a créé la notion de pays de Languedoc, de partie de Languedoc. Et puis ensuite, j'ai écrit, cette fois-là c'est en 2009,
c'était en 2009, c'est ça, « Les Anglais, anciens et mortels ennemis des rois de France, de leur royaume et des Français pendant la guerre de Cent Ans ». C'est une formule « anciens et mortels ennemis » qui effectivement apparaît au début du XVe siècle. Au début du XVe siècle, la guerre de Cent Ans avait déjà 60 ans derrière elle, et qui est réintroduit, utilisé par la chancellerie française jusqu'à la fin du XVe siècle. Je pense qu'elle disparaît un petit peu au début du XVIe, et on la voit dans différents textes qui montrent quand même une certaine diffusion. Une certaine diffusion auprès de ce que j'appelle le public ou l'opinion publique. Peut-être faudrait-il ajouter ce que j'ai écrit sur l'oriflamme et sur la croix droite blanche portée, là encore à partir du début du XVe siècle, par les armées françaises sous la forme de livrées, sous la forme de drapeaux, et aussi par les populations civiles, dans certaines circonstances, un emblème reconnu et répandu lorsque le roi entrait dans une ville reconquise, eh bien les gens, les habitants, les citadins étaient priés de revêtir cette croix blanche droite des Français qui s'opposait naturellement à la croix droite rouge des Anglais. J'oubliais une autre question que j'ai abordée, au fond c'est un petit peu rattaché au sujet. Quand la bataille de Muret en 1213 a-t-elle été incorporée à l'histoire de France, au récit national, au même titre que Bouvines? Et je crois qu'au début, Muret c'est en 1213, c'est une bataille qui ne concerne pas directement l'histoire de la royauté française, avec Simon de Montfort, etc. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, on voit qu'il y a des textes, une chronique en particulier, qui met côte à côte la bataille de Bouvines, le dimanche de Bouvines en 1214, et l'année précédente, Muret. Je serais passé à autre chose si depuis quelques années, en réaction, j'imagine, avec le succès médiatique d'un certain nombre d'histoires de France écrites depuis les origines sur le mode narratif et admiratif, dont le contenu est à la fois complaisant et approximatif, destiné à flatter un certain chauvinisme, voire une certaine xénophobie, en réaction aussi avec les protestations diverses, qui ne sont pas oubliées, suscitées par de nouveaux programmes d'histoire dans le secondaire, selon lesquels la part accordée à l'histoire française, qu'elle soit religieuse, culturelle ou politique, est jugée trop médiocre, en réaction avec tout cela, une doxa, appelons-la ainsi, s'est mise en place, occupant une bonne partie de l'espace public. À suivre cette doxa, ce serait un non-sens de parler de France et de Français pour les siècles lointains, et a fortiori de penser en termes de France éternelle, à la manière du vieil Hugo et peut-être du général de Gaulle, cet autre poète. Bien mieux, ce serait contraire à la finalité de l'histoire, en tant que pédagogie, que de vouloir faire naître, comme au temps de la Troisième République triomphante, auprès des écoliers et des élèves, l'amour de leur patrie et de prétendre renforcer leur sentiment naturel d'être français. Ce serait un vrai recul intellectuel si l'enseignement de l'histoire consistait à exposer, dans son majestueux et providentiel déroulement téléologique, non pas même le récit, mais le roman national. Dieu sait si l'expression « roman national » fait fleuresse pour être critiquée. Je cite une tribune d'un collectif d'historiens publié il y a tout juste un an, en mai 2015, dans un grand quotidien du soir, « Enseigner l'histoire de France au Moyen-Âge comme si notre pays avait été déjà là n'a absolument aucun sens. » Et dans cette même tribune, il faut d'abord rappeler que la construction de la nation telle que nous la connaissons ne s'est achevée que très tardivement. Voilà la citation. Enseigner l'histoire de France au Moyen-Âge comme si notre pays avait été déjà là n'a absolument aucun sens. Peut-être, derrière
ces remarques, derrière ce jugement, il y a l'idée que si la France est une construction récente, voulue par des politiques secondées par des intellectuels d'État, il sera d'autant plus facile de la déconstruire, pour employer le terme lancé, mis à la mode il y a déjà quelques années, par Jacques Derrida, qui fut mon éminent condisciple il y a plus de 60 ans, dans la canne de Louis le Grand, au même titre que Pierre Bourdieu. Et cette déconstruction serait, selon cette doxa, un progrès, elle irait dans le bon sens, dans le sens de la globalisation, à l'encontre d'un repli identitaire, frileux, méfiant, voire haineux envers l'autre, avec une majuscule ou une minuscule, peu importe. Bref, soutenir l'idée qu'au Moyen-Âge, il est possible de repérer une certaine idée de la France et des Français, ne serait-il pas mener un mauvais combat au mauvais moment ? Je cite Raymond Barre, inattendu, mais c'est ainsi, dans son livre d'entretien avec Jean-Marie Colombani, Question de confiance, « La France a été dans le passé et sera dans l'avenir une société composée de communautés de provenances diverses et de cultures variées. La France est un creuset. Aucun autre pays, à l'époque de la Yougoslavie, c'était avant l'éclatement de la Yougoslavie, n'a une composition ethnique si hétérogène. L'unité française s'est construite sur et contre une extraordinaire diversité ethnique et culturelle. La France comme un melting pot, il y a même eu un ouvrage qui s'est appelé « La mosaïque France ». De fait, pour quantité d'historiens, on ne peut employer valablement ces deux termes, France, français, dans leur sens actuel, qu'à partir, disons, du milieu du XVIIIe siècle. Alors commença, à travers l'Europe, avec les conséquences que nous connaissons, l'ère des nationalités, des nations armées, des nationalismes, débouchant, chacun le sait, sur l'ère des impérialismes. Je renvoie ici aux réflexions de Benedict Anderson dans un livre de 1983, Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, qui a été traduit 13 ans plus tard, en 1996, sous le titre L'imaginaire national, réflexion sur l'origine du nationalisme. Spécifiquement, pour la France, il y aurait un élément fondateur, même deux éléments fondateurs, la Révolution française, la prise de la Bastille et surtout la fête de la Fédération une année après, et puis ensuite cela continuerait, les chemins de fer, sur lesquels Fernand Braudel se plaisait à insister, en ce qu'ils ont contribué, surtout à partir de 1880, le plan Freycinet, à désenclaver une multitude d'espaces. Et Dieu sait si on lui a reproché de finir sa carrière alors qu'il avait été l'historien de l'économie monde par la publication de l'identité de la France. Donc la Révolution, les chemins de fer, l'école gratuite et obligatoire, le service militaire universel. De Danton à Michelet, de Michelet à Lavis, l'instituteur national. Et je rappelle le livre important de notre collègue américain Eugen Weber, spécialiste de l'action française, Peasants into Frenchmen. Et donc il semble que, si vous voulez, on a une illustration de cette transformation, la visite par un couple de, par un certain nombre de paysans bretons du musée de l'armée, Peasants into Frenchmen. Parce que finalement, Eugène Weber ne dit pas des Normands transformés en Français, des Champenois transformés en Français, non, ce sont des paysans transformés en Français. Jusqu'alors, jusqu'aux années 1890, etc., il y avait, disons, la France était une collection de collectivités, de communautés villageoises, et puis, service militaire obligatoire, le musée de l'armée, l'école obligatoire, etc., les chemins de fer. Cela aboutit à cette image.
Et je dirais que un démographe contemporain, d'origine bretonne, du reste, Hervé Lebras, reprend un peu la même thèse et l'a repris récemment. Donc il est possible que les ancêtres d'Hervé Lebras sont figurés là. Hein. C'est pas impossible. Le père d'Hervé Lebras, déjà, il a eu la transition. Gabriel Lebras, qui avait une vocation nationale et même une vocation mondiale en tant que spécialiste du christianisme. Enfin, c'est vers 1900, par conséquent, que les gens vivant dans l'espace français se sont sentis français. Il y a donc eu, à travers un long 19e siècle, une tendance lourde qui se manifeste, par exemple, à l'intérieur de l'Empire d'Autriche devenu l'Empire austro-hongrois, qui, à la veille de 1914, s'est trouvé de facto divisé entre plusieurs nations, plusieurs peuples, ayant chacun leur culture, leur langue, leur tradition, leur manière de vivre, éventuellement leur religion, et cherchant à traduire cette spécificité au plan politique. Loin de moi de refuser l'idée selon laquelle c'est alors, effectivement, au XIXe siècle, prolongé jusqu'en 1914, et même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, que l'idée que le maladie du nationalisme, qui peut déboucher sur le nationalisme intégral de l'action française, se soit répandu de façon contagieuse, atteignant l'ensemble du corps social dans un climat de concurrence. C'est alors qu'elle s'est emparée des masses, je vous reconnais très volontiers, elle a aliéné les masses. Et le résultat, ça a été la Première Guerre mondiale, quels que soient les belligérants. C'est une guerre de nationalité, de nation, de nationalisme. Encore faut-il remarquer que l'idée elle n'était pas aussi... il y avait quand même une contre-idée. C'est vrai qu'il y avait les nations, hein, c'est une affaire entendue, mais on se battait aussi, notamment du côté des alliés, pour des valeurs universelles. La tendance que j'appellerais Wilson, la démocratie, la civilisation, le droit. Et il y avait à l'époque également une autre divergence qui a été bien mise en valeur par mon confrère Georges Soutou. Pendant la guerre, il y avait les dogmatiques, pour qui la Première Guerre mondiale, pour qui les nations étaient des données immédiates, des entités incontournables, exigeant de la communauté internationale une reconnaissance inconditionnelle. Il y avait aussi les prudents, pour lesquels les nations étaient des constructions progressives, à la fois politiques, historiques et culturelles, inscrites dans un cadre plus large, dans un cadre européen, le concert des nations. Faut-il donc en rester là et considérer qu'avant 1750-1800, c'est-à-dire avant l'ère démocratique, le printemps des peuples, il serait illusoire de parler de sentiment national. Ici, je voudrais faire un détour en évoquant deux cas. Deux cas relatifs au Moyen-Âge. Le royaume d'Écosse. Le royaume d'Écosse. C'est vers 1160 qu'apparaissent les expressions « royaume des Écossais »,« gens Scotiva », »,« royaume d'Écosse ». Entre le milieu du XIIe et le début du XIVe siècle, les quatre ou cinq peuples installés au nord de la Tweed et de la Solway se sont amalgamés pour former la Scoterum Natio, même s'il s'agit d'une nation bilingue, voire trilingue, puisqu'il y avait l'ancien écossais, celtique, et puis il y avait la langue locale, et puis il y avait l'anglais, deux variétés d'anglais, l'anglais écossais et puis l'anglais tout court. Et la mort d'Alexandre III, en 1286, fut marquée par une déploration où s'exprime pour la première fois la poésie écossaise. Et puis, il y a eu la grande guerre d'indépendance, contre Édouard Ier et Édouard II d'Angleterre, qui, à l'évidence, ne fut pas seulement un conflit dynastique. Et cela déboucha sur la fameuse déclaration d'Arbroath de 1320 au contenu pathétique, un beau morceau d'éloquence, rédigé bien sûr par des clercs, mais trouvant un écho dans l'esprit de tous ceux qui y assistaient, peut-être 500, 1000 personnes, que sais-je, clercs et laïcs. Avec la bataille de Bannockburn de 1314, ce serait l'un des fondements
1314, 1320, Bannockburn et puis la déclaration d'Arbroath, ce serait l'un des fondements du nationalisme écossais actuel. Son leader charismatique, Alex Salmond, lui-même médiéviste de formation, il a fait des études d'économie et d'histoire à l'université St Andrews, s'est référé au passé médiéval écossais au cours de sa campagne électorale, ainsi en déclarant que la bataille de Bannockburn, livrée et gagnée les 23 et 24 juin 1314 par les Écossais de Robert Bruce sur l'armée anglaise d'Édouard II, constituait le lieu de naissance, birthplace, de l'Écosse moderne. Alors évidemment, Alex Salmond n'a pas gagné son référendum, ça c'est vrai. Pourquoi ? Eh bien parce que à la bataille de Bannockburn, en plus, il y avait les reliques de Saint Colomba. Et donc peut-être que Alex Salmond n'a pas suffisamment utilisé les reliques de Saint Colomba, qui du reste sont très difficiles à trouver, ce qui l'a empêché de gagner son référendum. Et le 18 août 2014, le même Alex Salmond fit connaître sa nouvelle déclaration d'Arbroath en se référant au long document en latin qu'un certain nombre de seigneurs écossais réunis dans le monastère bénédictin du même nom adressèrent au pape Jean XXII le 6 avril 1320. Usage ou mésusage du Moyen-Âge, on peut en discuter. En tout cas, tout petit écossais est censé l'avoir étudié ou du moins la connaître. Et ça continue, naturellement. L'histoire de l'Écosse ne s'arrête pas en 1320. Guerre aristocratique, guerre populaire. On croit que les Écossais ont été très impliqués dans cette guerre. Et c'est ainsi que nous retrouvons la même expression qui est utilisée par la chancellerie française au début du XVe siècle. Les Écossais se considéraient comme les anciens ennemis et adversaires des Anglais. Et cela est rappelé, par exemple, dans la correspondance échangée entre Jacques de Stuart et Charles VII dans les années 1450. Vestras et nostras antiquissimas hostes, hostes nostras communes. Les Anglais, les Écossais et les Français avaient le même ennemi commun, ce que nous appellerions l'ennemi héréditaire. Et je cite le chroniqueur bourguignon Georges Chastelain: Anglois et Escaut ont été de tout temps ennemis ensemble, tenant frontière l'un contre l'autre. Pour le cas anglais, je me suis servi, c'est mon deuxième cas, mon deuxième exemple, de façon privilégiée, des études de R.R. Davis, parues à la fin du XXe siècle, il y a quelques années, dans les Transactions of the Royal Historical Society. Et lui insiste, il n'est pas le premier naturellement, mais il revendique cette idée que l'Angleterre apparaît dès l'époque anglo-saxonne. Egbert, roi des Saxons de l'Ouest, ordonne que tous les hommes de sa terre soient appelés Anglais. Englaland, le terme apparaît à la fin du Xe siècle. Bref, c'est la période anglo-saxonne, en laissant de côté la conquête par Guillaume le Conquérant, qui est le fondement de l'Angleterre. La conquête normande, l'introduction du français en Angleterre, n'y changeait rien. Pour Davis, il y a deux critères, les frontières et la regnal solidarité. Et donc il emploie cette idée qu'il y a communauté à partir du moment où il y a des frontières, à partir du moment où il y a un rassemblement autour d'un roi. Il emprunte cette idée à l'ouvrage tout à fait intéressant de Susan Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe. Alors, il n'est pas besoin de développer ce thème, la monnaie commune, les impôts communs, être régi par la common law, la xénophobie, qui est pleinement visible
au détriment des poids de vin au XIIIe siècle, puisque ces poids de vin peuplaient l'entourage de Jean sans terre et de Henri III, l'Ecclesia Anglicana, la Communitas Regni, la lutte entre Étienne de Blois et le futur Henri II au XIIe siècle, entre Henri III et ses barons, Simon de Montfort, l'autre Simon de Montfort, au XIIIe, peut être conçu valablement comme une guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a une communauté politique qui se trouve déchirée. Une source dit que presque tout le commun du peuple du royaume d'Angleterre rejeta la décision de Louis IX en faveur de Henri III lors de ce qu'on appelle la mise d'Amiens de 1264. Dès le début de la guerre de Cent Ans, un texte fait dialoguer un Anglus et un Gallus. Reprenant une crainte déjà apparue en 1295, à l'époque d'Édouard Ier et de Philippe le Bel, le chancelier d'Édouard III, lors du Parlement de 1344, accuse Philippe de Valois d'avoir le ferme propos, c'est de l'anglais, du français tel qu'on parle en Angleterre, ce qu'on appelle couramment l'anglo-normand, à ce que notre seigneur le roi et son conseil ont entendu en certains de détruire la langue anglaise et de occuper la terre d'Angleterre que Dieu défend, si remède n'y soit mis contre sa malice par force. Et deux ans plus tard, 1346, la formule devient détruire et anéantir toute la nation et la langue anglaise. Détruire la langue anglaise, c'est-à-dire, comme Jean-Marie Meuglin l'a montré dans un article récent, détruire la nation anglaise, tuer tous les Anglais, une sorte de fantasme, occuper et peupler leurs terres, installer dans leur pays de nouveaux habitants, français, écossais ou gallois. Dans ces deux cas, le cas anglais, le cas écossais, on peut donc admettre qu'il n'est pas vain de parler d'Anglais et d'Angleterre à partir du XIIIe siècle, sinon nettement plus tôt, et que ce n'est pas être l'objet d'une illusion rétrospective que de sentir à l'œuvre le peuple écossais, dans son identité, avant et après Bannockburn, les deux royautés, dans leur action politique et militaire, prirent appui sur l'existence préalable de ce qu'on peut appeler un terme allemand le Wir-Gefühl, le sentiment de communauté, que ces deux royautés, bien sûr, s'efforçant de la renforcer, de le renforcer par divers canaux, par divers procédés, par diverses institutions. Il n'empêche qu'on trouverait des auteurs pour juger le XIIIe siècle par trop précoce et pour mettre l'accent dans l'émergence de l'Englishness sur le temps de Chaucer, sur le temps d'Azincourt, des Statutes of the Realm, des sessions du Parlement, où s'élabore véritablement une conscience politique et de la croix droite rouge dite de Saint-Georges. Là, c'est la fin du Moyen-Âge. Vous savez combien, il y a l'année dernière, la bataille d'Azincourt a été célébrée en Angleterre. Il y a eu un magnifique banquet à Londres. Une de mes collègues avait l'évêque de Londres à sa gauche et la reine d'Angleterre à sa droite. Non. Azincourt, ça n'est pas rien. Bon. Et d'autres diraient, mais non, ça date du XVIe siècle, le schisme anglican, Henri VIII. Ou bien le règne d'Élisabeth Ier, Shakespeare. Revenant justement sur Azincourt et sur toute l'histoire de l'Angleterre au XIVe, XVe siècle, célébrant dans Richard II, this happy breed of men, this realm, this England. On pourrait même dire, on trouvait des auteurs pour dire, mais non, ça date du XVIIIe siècle, la fin du XVIIe, la glorieuse révolution de 1688, sans compter tous ceux qui diraient, mais il faut comprendre cela dans un cadre plus vaste et estimer que c'est au XIXe siècle, avec Waterloo, avec le jingoïsme, comme on dit, avec l'âge d'or de Britannia, qui, en Angleterre aussi,
a marqué l'avènement des nations et des nationalistes. Donc vous voyez, ça peut se discuter. J'en reviens quand même à mon idée que, en tout cas, avant 1500, valablement, on peut parler d'Écossais, on peut parler d'Anglais, on peut parler d'Écosse, on peut parler d'Angleterre. Venons-en maintenant à l'espace français. L'espace français est, eh bien, comme me dit Réginon de Prume, vers 900, de même que les différents peuples diffèrent entre eux par les mœurs, par la langue et par les lois, de même la Sainte Église universelle, bien que rassemblée dans l'unité de la foi, différencie néanmoins les coutumes ecclésiastiques parmi eux. Autrement dit, il y a les peuples. Il y a les peuples avec leurs mœurs, avec la langue, avec leurs lois. Quand les habitants de l'espace français firent-ils un seul et même peuple, se reconnurent-ils naturellement sous une même dénomination ? Et sous quelle impulsion ? Le passage des Galies aux Francis, aux Francigénés, l'émergence des Français tels qu'on les voit dans plusieurs passages de la chanson de Roland. Dans la tapisserie de Bayeux, on voit les Anglis opposés aux Francis, et non pas aux Normands, comme on pourrait le croire, les Anglis et les Francis. Mais avant, disons, la chanson de Roland, nos Français n'ont talent de fuir, nos Français, donc il s'agit là, ou bien la tapisserie de Bayeux, vers 1080. Eh bien, il y a eu ce mythe fort ancien de nos ancêtres, les Gaulois. On réunirait assez aisément un beau fleurilège de citations expliquant que les Français de nos jours partagent des traits de caractère avec les Gaulois, ceux dont parle César, en particulier leur goût pour s'opposer les uns aux autres. Et tout récemment, un homme politique plein d'avenir a fait l'ascension du mont Beuvray, l'oppidum de Bibracte, où en 52 avant Jésus-Christ fut proclamé, Vercingétorix fut proclamé chef des Gaulois, enfin coalisé contre l'envahisseur romain, un lieu de mémoire où, dit-on, le président Mitterrand avait songé à se faire enterrer avant de choisir Jarnac. La seule excuse de cette mythologie est que l'équivalence entre les Gaulois, y compris Brennus, les oies du Capitole, etc., et les Français remonte au Moyen-Âge. Je citerai simplement Christine de Pizan, mais je pourrais multiplier les exemples. Les Français, les François qui jadis furent appelés Gaulois, c'est à savoir les hommes nés du royaume de France, c'est quand même intéressant comme expression, nés du royaume de France, sont bons et vaillants à l'exercice des armes. Christine de Pizan, italienne, mais ayant bien assimilé l'imaginaire français, n'hésite pas à mettre l'équivalence entre les Gaulois et les Français. Les Français, nos ancêtres les Gaulois, Christine de Pizan est l'une de celles qui a fondé ce mythe. Dans l'imaginaire, de plus grande importance, malgré tout, est le moment Clovis. France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Jean-Paul II. Godefroy Court, un historien de Liège, à la fin du XIXe siècle, a écrit à propos du cri de Tolbiac : « Telle est la grandeur historique du vœu tombé des lèvres de Clovis à l'heure du danger. C'est un pacte proposé au Christ par le peuple français et que le Christ a ratifié. » Il existe naturellement toute littérature providentialiste et légitimiste qui a fleuri à travers le XIXe siècle. Plus l'origine troyenne des Francs, un lieu commun qui n'a franchement disparu qu'au XVIe siècle, voire plus tard. Pour souligner le fait que Clovis fut le père de la France en quelque sorte, eh bien, il y a un magnifique texte de Lacordaire, je n'en cite que quelques lignes. Ce roi, cette reine, Clotilde, cet évêque, ces soldats, qu'est-ce donc ? C'est nous ! C'est la nation française. Clovis, c'était la France, ne sont-ce pas nos pères ? N'est-ce pas nous qui l'avons mis sur le pavois ?
L'excuse de cette littérature, faisant naître avec son baptême la France, et plus encore que dans le cas des Gaulois, elle se situe dans le prolongement de la culture médiévale. Depuis Clovis, les Francs français y ont éclipsé, on ne sait pas trop comment, d'ailleurs c'est un mystère, les Gaulois, et ont été, sous l'autorité de leur roi, les plus fermes appuis de l'Église catholique, de la papauté et de la chrétienté. Baptisés, ils émergent, pour ainsi dire, la nation française émerge telle qu'elle, sous le regard de Dieu, avec le baptême de Clovis par Saint Remi. C'est une représentation de la France en prière devant les trois personnes de la Trinité lors des moments les plus sombres de la guerre de Cent Ans. C'est une miniature qui provient du manuscrit des Vigiles de Charles VII, censé avoir été offert à Charles VIII en 1484. Il n'y a pas tellement de représentations de la France à l'époque, mais en tout cas, il y a celle-là, qui est assez touchante. Et c'est France qui prend la parole. C'est vérité que depuis ma naissance et que Dieu voulut qu'en terre prisse essence, j'ai eu des rois et enfants largement d'autorité, de nom et de vaillance, qui ont conquis par leur fait excellence, lot et honneur perpétuellement. Et donc elle passe en revue un certain nombre de rois, et notamment Clovis, et puis ensuite Pépin, et puis ensuite Charlemagne, et puis ensuite Philippe Auguste, Saint-Louis. Philippe le Bel ne figure pas, probablement il n'avait pas si bonne réputation que ça. Philippe de Valois, Charles V, desquels toujours sera renom et voix font redondante à exaltation du royaume de France et nation. Royaume de France et nation. Voilà pour le moment Vercingétorix, pour le moment Clovis. Mais avant de passer au moment capétien, il convient, je crois, de se poser la question des croisades et de l'outre-mer. Pourquoi l'expression Gesta Dei per Francos? Faut-il traduire Francis par français ou n'accepter cette traduction français que pour franciséner? Certains textes le laisseraient entendre, ainsi la chronique d'Albert d'Exte. Autrement dit, je me pose la question, les récits des croisades ne suggèrent-ils pas qu'avant la construction de la France grâce à ses rois, il y avait, selon eux, et notamment la première croisade, il y avait déjà un peuple franc, un peuple français, qui ensuite a été sûrement organisé, exalté par les rois de France, c'est une affaire entendue, mais peut-être il y a ce peuple. Au commencement, peut-être il y a ce peuple. C'est pas clair. Parce que si vous prenez par exemple le chroniqueur de la première croisade, Albert d'Aix, les Francis seraient originaires de la Francia Orientalis et les Francigénés de la Francia Occidentalis. Bon, c'est vrai, mais malgré tout, même si on retient Francia Occidentalis, il y a quand même les Francigénés. Et ça, nous plaçons à la fin du XIe siècle, donc bien avant le rôle des Capétiens. Pour Raymond d'Aguilers, chapelain de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, lors de la première croisade, les gens de Bourgogne, d'Auvergne, de Gascogne, de Gothie sont dits provinciales par opposition aux sétéries francigénées. Mais il ajoute, pour les ennemis, tous, pour les Sarrasins, tous sont dits francigénés. Robert Lemoine place dans la bouche de Bohémond, prince d'Antioche, est-ce que nous ne sommes pas des Français? Est-ce que nos parents ne sont pas venus de France? Les chroniqueurs
musulmans parlent des Ifrangi, ce qui correspond aux gens venus de l'Empire franc. Mais il y a aussi cette parole d'Ibn Khaldoun au XIVe siècle, la nation des Francs, que les gens du commun appellent les Français, que les gens du commun appellent les Français, tire son origine d'une des grandes provinces franques appelée la France. Et si vous regardez Robert de Clary dans sa conquête de Constantinople, mais nous sommes déjà au début du XIIIe siècle, eh bien, il parle de Français et non de Francs. C'est aussi le terme utilisé par l'auteur de la chronique de Morée pour désigner ces barons qui, au XIIIe siècle, originaires de Champagne et de Bourgogne, mais en liaison aussi avec les Français de Naples, ont créé ce qu'un pape a appelé la Nouvelle-France, Honorius III, vers 1230. Par tout cela, je suggère que, sortis de leur province, ces gens apparaissaient indifféremment comme des Français et se considéraient comme tels. Je cite le grand historien de la croisade et de l'idée de croisade, Alphonse Dupron: avec le grand départ des croisades, une première réalité collective des Français émerge pour l'analyse historique. C'est cet arrière-plan humain qui explique le succès de l'entreprise capétienne qu'on voit nettement à l'œuvre à partir de Sugère, la bataille manquée de 1124 entre Louis VI et l'empereur Henri V, préfigurant en quelque sorte la bataille de Bouvines, sur laquelle on pourrait faire quantité de développement, car il y a dans Guillaume le Breton, l'auteur de cette grande épopée, des développements tout à fait extraordinaires sur le retentissement de cette bataille à travers toutes les villes, non seulement du domaine royal, mais du royaume. Et j'en arrive au XIVe et XVe siècle, un petit peu au galop. Alors, dès la fin du XIIIe siècle, dès le XIIIe siècle, les termes France et Français correspondraient à quelque chose. Souvenez-vous du concept de Defensio Regni, un royaume de France qui, bien sûr, comprend la Flandre. La Defensio Regni, exaltée pathétiquement par Philippe le Bel, la patrie natale, je cite un des textes de propagande de l'époque, que la vénérable et antique tradition des pères a prescrit de défendre. Dans toute son étendue, à la fin, je reviens à la fin de la Philippide de Guillaume le Breton, eh bien, il recommande à Louis VIII de partir de Thouars, Thouars de Sèvres, et de reprendre, non de conquérir, mais de reprendre toute l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées. Ajoutons à cela la frontière des quatre rivières, bien implantée, qui résulte, disons, du traité de Verdun de 842. Par conséquent, nous retrouvons au XIIIe siècle la formule de Suzanne Reynolds sur les frontières et la Regnol solidarité. Donc, si à l'époque de Philippe le Bel, le terme de France et de Français peut être, les termes de France et de Français peuvent être utilisés, qu'en est-il pour les deux siècles suivants ? Alors, évidemment, on se dit, il y a Jeanne d'Arc, il y a ceci, etc. Cependant, il y a quand même des objections qui ont été présentées. Et j'en vois en particulier trois. Certes, il y a l'idéologie royale, nationale, relayée par une propagande écrite que l'on connaît de mieux en mieux. On la connaissait déjà à la fin du XIXe siècle et puis on désormais des textes qui étaient oubliés ou qui étaient inédits ont été publiés, Eustache Deschamps, Jean de Montreuil, etc., les notaires et secrétaires du roi. Certes, il y a cette idéologie royale et nationale, mais cette idéologie royale et nationale, premièrement, elle viendrait d'en haut, donc une construction, et deuxièmement,
elle laisserait en dehors de son champ des espaces périphériques. Cette idéologie ne serait pas universelle à travers tout le royaume. Autrement dit, la première objection, le sentiment identitaire français ne s'est-il pas heurté à d'autres sentiments identitaires, bretons, normands, picards, flamands, occitans, peut-être poitevins, sans compter tous ceux pour qui leur horizon était leur terroir, leur famille, et tous ceux, les clercs, pour lesquels ce qui comptait, c'était l'Église ou encore l'international de la chevalerie. Voilà ma première objection. La première objection qui a été présentée. Premièrement, une affaire qui est, disons, qui n'est pas une, qui vient d'en haut. Et deuxièmement, une affaire, un sentiment qui s'est heurté à d'autres sentiments tout autant vigoureux, voire davantage. Sentiments tout à fait locaux, au niveau de la paroisse. On est d'abord de la paroisse, de sa famille, de la paroisse, de sa province, normand. Une identité assez forte au Moyen-Âge, incontestablement. Et puis, l'identité qui viendrait, disons, de ce qu'il y a la chrétienté et de ce qu'il y a la chevalerie. Et donc la troisième objection, être français au XIVe, XVe siècle, ne serait-ce pas avant tout être du parti du roi de France, du roi Valois? Que signifient ces mots? Ah oui, ça c'est d'autres choses, je laisse ça de côté. Que signifient ces mots mis dans la bouche des habitants d'Asti? Vrai François par nature nous trouvera aussi bon qu'à Paris, ayant en cœur la franque fleur de lys. Ces gens d'Asti ne se considéraient pas nécessairement comme des Français, mais simplement se rattachaient au roi de France et à leur emblématique, la fleur de lys. Vers 1455, il est conseillé à Charles VII de mener une politique plus souple envers les Bordelais, car, je cite, « ils ont accoutumé d'être anglais, ils peuvent très bien retourner à leur naturel ou à leur nature, se retourner anglais ». Lorsque, début du XVIe siècle, les Italiens acclament les Français entrant dans leur ville par le cri « France, France », cela signifierait non qu'ils se sentent français, mais tout simplement qu'ils reconnaissent l'autorité du roi de France, Louis XII. Et d'autre part, je relève cette observation de mon regretté collègue, confrère et ami Peter Lewis, selon laquelle l'exaspération du discours officiel au sommet par les rois de France serait plutôt un signe de faiblesse plutôt qu'un signe de force. Ces différentes objections que l'on pourrait développer ne peuvent être écartées d'un revers de main. Et il ne suffit pas d'opposer le cas de Jeanne d'Arc, pour qui, toute barroise et simple paysanne qu'elle soit, la France, le sang de France, les Français étaient une référence habituelle. Il faut aller plus loin et s'interroger pour savoir si le cas de Jeanne d'Arc est représentatif, ou bien si Jeanne d'Arc est un achèvement, ou bien au contraire un commencement. Comme le dit Alphonse Dupron, comment faire pour violer le mystère d'enracinement ou d'appartenance des obscurs en se servant des mots de ceux qui ont le monopole de l'écrit? Je plaide quand même pour l'idée qu'était largement répandue la conscience d'être né du royaume de France. Né du royaume de France. Être né du royaume de France, être natif du royaume, avec même parfois l'idée de préférence nationale, par exemple dans l'attribution des bénéfices. Il y a, à la fin du XIVe siècle, un célèbre procès, le procès intenté par le Châtelet de Paris, par émigré. Contre Émérigo Marchais, une sorte de brigand, qui sévissait en Limousin et dans le Massif central dans ces années-là. Et l'un des chefs d'accusation, c'est qu'il était né du royaume de France, et par conséquent, comme tel, il devait une certaine loyauté au roi de France.
tu l'as fait entendu. L'argument est avancé par les gens du Châtelet, qui expriment, pour ainsi dire, l'idéologie royale. Mais qu'en pensait-il lui-même? Parce que Émir Hugo Marchais proteste, mais moi pas du tout, je ne suis pas né du royaume de France, ce qui m'intéresse ce sont mes solidarités féodales et non pas cette solidarité abstraite qui vient que par hasard je suis né dans le Limousin et que le Limousin est censé être du royaume. En 1437, il y a eu la prise et capitulation de Montereau, octobre 1437. Et voici ce que dit la chronique. À ceux s'accordèrent que les Anglais s'en iraient sauve leur vie, comme étrangers conquérantaires, étrangers, car ils n'étaient pas venus en France de leur autorité, et tous ceux qui avaient que été de la langue de France se rendraient à la volonté du roi. Et c'est ce qui fut fait, la langue de France, et donc ils étaient considérés comme traîtres, les uns furent pendus par la gorge, les autres ont eu à accomplir un long pèlerinage de pénitence, une corde au cou. En 1340, les trésoriers du roi de France prévoyaient deux tarifs pour le paiement des gages de ceux qui avaient répondu à la semonce royale. Ceux qui viennent du royaume et ceux qui viennent de dehors le royaume. Dans le premier cas, on payait de façon forfaitaire les déplacements aller et retour, depuis le lieu du rassemblement jusqu'au lieu de la dispersion. Mais dans le deuxième cas, ceux qui étaient de dehors le royaume, on ne payait les gens qu'à partir du moment où ils étaient entrés dans les frontières du royaume. Donc les gens du roi de France savaient très bien quelles étaient ces frontières. Et c'est ainsi que Raoul, duc de Lorraine, qui devait mourir du reste à la bataille de Crécy en 1346, déclara qu'il n'était pas parti de Nancy, parce que c'était en dehors du royaume, mais qu'il était parti de Neuchâtel, car Neuchâtel, c'était un fief du royaume de France. Il a pu donc être payé depuis Neuchâtel, alors que dans un autre cas, il aurait été payé simplement à partir du moment où il aurait gagné le lieu de rassemblement. Bien avant les États généraux de 1484, Philippe de Mézières, qui parle plus souvent qu'à son tour de peuple gallican, comme il parle de chevalerie gallicane, préconise la réformation du royaume des Gaules à travers la réunion d'un consistoire du royaume de France. Et ce consistoire du royaume de France, une sorte de parlement, comprenait, d'après l'énumération de Philippe de Mézières, la France, au sens de la région parisienne, la Picardie, la Champagne, la Normandie, le Chartrain, le Poitou, le Maine, le duché de Bretagne, la Bourgogne, la Languedoc, la Guyenne et le Bourbonnais. Le traité de Troyes, de 1420, peut être compris comme la reconnaissance par Henri V de l'existence de la France. Henri V a rêvé d'être une sorte de binational. Autrement dit, il y avait les Français, il y avait les Anglais, et lui seul avait la double nationalité avec les deux couronnes, comme descendant de Henri III et comme descendant de Saint-Louis. Et par conséquent, cela signifie que pour Henri V, il y avait, et c'était son pari, une nation française, et qu'il voulait se présenter comme le roi de la nation française. Cette nation française, c'est ce que dit le 13 du traité de Troyes, devant s'organiser elle-même et n'étant pas soumise à la domination anglaise. Il y a un proverbe assez souvent répété à l'époque, Philippe de Mézières, Jean de Montreuil et quelques autres, Jean Juvénal des Ursins. À la fin, l'Angleterre sera l'Angleterre et la France sera la France. Mais après tout, le traité de Troyes ne va pas à l'encontre de ce proverbe, puisque Henri V avait parfaitement, et après lui, son frère le duc de Beaufort, avait parfaitement compris qu'on ne pouvait pas faire une sorte d'amalgame de supranationalité. Autrement dit, le traité de Troyes reconnaît le fait national. Louis XI, en 1468, aux États de Tours, associe les exploits des rois, notamment pour la défense de la foi, et ceux de la nation française. Les rois, la nation française marchant
main dans la main. C'était un langage que les députés pouvaient comprendre et auquel ils s'associaient. On pouvait d'ailleurs être à la fois fier de sa province, fier de son pays et fier du royaume de France, c'est ce dont témoigne Mathieu Thomassin dans le registre Delphinal. Selon Chastelain, les Anglais à Calais, ils ont conservé Calais jusqu'au milieu du XVIe siècle, font front à la terre et à toute la nation française. Quoique composé de pays, le royaume de France, dit le héros Berry, a son unité, le plus bel, le plus plaisant, le mieux proportionné de tous les autres. Un petit détail, nous avons un récit très intéressant de Félix Fabry, dans son pèlerinage, dans son Evagatorium, le pèlerinage en Terre Sainte. Il nous raconte qu'à un certain moment, on a été obligé de séparer les franciscains qui venaient un peu partout, orgueilleux, insupportables, très passionnés, des teutonicis qui, jusqu'à leur voyager dans la même galère, mais ils se disputaient tant qu'il a fallu les séparer. J'en arrive par conséquent à mes conclusions. Mes conclusions qui sont des conclusions en 7 ou 8 points. Ma première conclusion, je plaide pour la bonne foi des historiens positivistes et méthodiques qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle au XXe siècle, ont cru reconnaître, un peu naïvement sans doute, le patriotisme du Grand Ferré et de quelques autres. Ils n'ont pas cru inventer cette dimension pour les besoins de la cause, mais ils ont été contents, surpris, de la découvrir et de la mettre en valeur. D'ailleurs, il y a de plus prudents que d'autres. Même Lavis, à bien le relire, invite à ne pas voir dans Bouvines l'équivalent de Valmy. Autrement dit, je suggère que ces historiens français de la fin du XIXe siècle n'ont pas voulu endoctriner le peuple consciemment, mais dire ce qu'il croyait être la vérité. Mon deuxième point, les nations aussi ont une histoire. Elles peuvent émerger, disparaître, avec les sentiments identitaires plus ou moins forts qui les accompagnent. Un souvenir personnel. Il me semble que, je suis de la génération qui a fait la guerre d'Algérie, et je pense que j'ai vécu en Algérie l'émergence d'une nation, la nation algérienne, qui probablement a existé un petit peu, mais que c'est à travers la guerre, à travers cette lutte, je crois dire, longue et terrible, que la nation algérienne a pris son essor et a abouti à son identité. Troisièmement, je m'intéresse moins à la généalogie de l'identité française, avec le moment Clovis, avec le moment Capétien, avec le moment Jeanne d'Arc, avec le XVIe siècle, avec le moment Louis XIV, et j'en passe, car la question de savoir si l'existence dans les mentalités, dans les institutions, dans les pratiques des notions de France et de Français a pu jouer un rôle historique à travers le Moyen-Âge, et notamment, puisque c'est l'époque que je connais le moins mal, au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Plus précisément, peut-on comprendre la guerre de Cent Ans en faisant l'économie des chocs ou de l'entrecroisement de ce sentiment d'identité française? Mon quatrième point, vous l'avez compris, j'insiste sur la guerre comme facteur d'intensification et de diffusion. Quand la paix revient, quand il n'y a plus d'ennemis héréditaires, eh bien le sentiment national ne peut que s'affaiblir. Cinquièmement, le sentiment national n'a rien d'exclusif, il ne faut pas l'isoler. Il y a une juxtaposition, d'une superposition des identités. Pourquoi chacun devrait-il avoir une seule identité? Le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, n'a-t-il pas dit « Je suis londonien, européen, britannique, anglais, de religion musulmane, d'origine asiatique, d'héritage pakistanais, je suis un père et un mari ». Donc, il y a évidemment un risque à isoler le sentiment national
comme une sorte d'outil permettant de tout expliquer, mais ce ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas à sa manière et à sa place. Mon sixième point, si elle n'avait pas rencontré un large écho populaire en raison des épreuves traversées qu'on imputait à des étrangers, la propagande royale au moment de la guerre de Cent Ans avait, avec ses faibles moyens, n'aurait pu s'imposer. Au commencement étaient les rois, mais au commencement aussi étaient les peuples. Vaste débat que je ne prétends pas trancher, sinon en citant encore une fois Alphonse Dupron, « Au père du roi, les Français ont fait la France ». On ne peut pas, même à coup de propagande, créer un sentiment national, créer un peuple. Récemment, il y a le livre d'Élodie Lecuypre s'appelle « Le royaume inachevé ». Les ducs de Bourgogne, c'était pas n'importe qui, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, ont essayé de créer ce peuple bourguignon, eh bien, et ils n'y sont pas parvenus. Alors que en France, au contraire, nous avons cette manifestation, là, ce sont tout à fait remarquables, qu'on appelle les Francs Archers. Les Francs Archers, au milieu du XVe siècle, eh bien, le roi de France avait mis un système en place selon lequel toutes les paroisses du royaume de France devaient fournir un combattant. Donc ce combattant, eh bien, il fallut lui donner une motivation, il avait un insigne, la croix blanche, etc. Donc ça signifie une grande diffusion et en même temps le fait est que ça marche, alors que les ducs de Bourgogne n'ont jamais pu créer quelque chose de comparable aux Francs Archers. Alors ma dernière remarque, la France, bien sûr, n'a rien d'éternel, je suis fou, mais pas à ce degré-là, hein. Elle est quand même une vieille nation, même si au moins l'Angleterre la précède, et peut-être d'autres nations européennes. Mais enfin, l'Angleterre, c'est tout à fait frappant. Deux, moment fort pendant la période médiévale, un moment mystérieux, ces Gaulois qui deviennent des Francs, ou des Français, et puis le temps de la guerre de Cent Ans. Je plaide pour la longue durée, je plaide pour un sentiment assez largement répandu qui a dicté des réactions, des comportements. Sortant de mon rôle d'historien, je plaide pour que les politiques n'oublient pas cette dimension dans leur vision de l'Europe et du monde. Je vous remercie. Pardon de prendre la parole, cher professeur, après cette maestria. Ma question est très simple et se fonde sur un petit dossier que j'avais constitué. À votre avis, à quel moment du Moyen Âge l'amalgame entre Francie, Galie et Franc se fait, dans la mesure où, par exemple, si la Troisième République chante nos ancêtres les Gaulois, au XVIIIe siècle, nos ancêtres c'était Mérové, c'était pas les Gaulois. Je ne sais pas à partir de quelle époque le terme de Galie disparaît pour donner place au lieu au nom de Francie. Je pense que c'est une très grande question. Et je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension intellectuelle, et je crois que l'expérience de Christine Dupuisan, que vous pourrez multiplier, montre que les gens cultivés, les intellectuels du Moyen-Âge, savaient que les Galies, c'était les Francis, c'était les ancêtres, etc., etc. Et donc c'est pour ça que la mythologie de Brennus en particulier a été reprise au XIVe, XVe siècle, peut-être au XVe siècle plus qu'au XIVe,
par différents auteurs. Et puis il y a la dénomination populaire. Comment les gens, s'ils avaient ce sentiment collectif d'être des Gaulois, se sont un beau jour réveillés en se disant nous sommes des Francs. Alors que je pense que là c'est un moment mystérieux que je vois abouti à l'époque, disons, de la chanson de Roland, hein, et que je fais remonter, mais sans preuve absolue, à la mystérieuse époque carolingienne. Donc il y a eu progressivement, au Moyen-Âge, à l'époque de Charlemagne et de ses fils, etc., peut-être Charles le Chauve, mais Charles le Chauve parle de la langue, enfin du moins Nithard parle de la langue romane, pas de la langue française, mais il y a eu cette espèce de volonté de la part des gens, peuple comme ça, de s'identifier aux Francs. Alors, est-ce que c'était les Francs, est-ce que c'était les Français, on peut en discuter, mais je pense qu'il y a cette double généalogie, si vous voulez. Il y a d'une part ce qui s'est passé au niveau des gens, et donc là il y a un oubli, seul au XIIIe siècle, au XIVe siècle, gens cultivés savaient ce que c'est que des Francs, des Galles, mais après tout, l'église gallicane, ça existe bien, donc ça s'est quand même répandu, la pragmatique sanction, les gens savaient que c'était une église française, hein, l'église gallicane. Il y a également le cas des Bretons, après tout, certains Bretons s'appellent le Gallo, hein, le Gallo, bon. La langue gallique, bien, mais je crois qu'il faut distinguer encore une fois le niveau intellectuel et le niveau de la réalité. Je n'ai pas peut-être répondu tout à fait à votre question, mais parce que il me semble que c'est assez difficile d'aller beaucoup plus loin dans cette voie. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, parmi les éléments formateurs de la sensibilité française, la précocité d'un droit d'État en France dès le XIIIe siècle, avec l'exemple particulier des Basques, qui ne se sentent pas, bien sûr, français, mais qui relèvent juridiquement du roi de France, puisque... spectaculairement, le premier acte du Parlement de Paris, de la registre des Olimes, concerne la pêche à la baleine à Bayonne, Olimes Fueron Tomines de Bayona, et la Bidassoa était déjà, à la fin du XIIe au XIIIe siècle, une frontière reconnue, séparant des Basques de deux souverainetés, et ceux du Nord étant les sujets de droit du roi de France. Vous me réjouissez beaucoup, il est certain que s'élabore à travers le Parlement de Paris une sorte de jurisprudence générale. Le contraste quand même est assez marqué avec ce qui se passe en Angleterre. La common law, qui du reste du XIIe siècle, c'est quand même plus fort, plus unifié, plus contraignant, plus généralement accepté que cette jurisprudence du Parlement de Paris, mais elle intervient. Elle intervient de plus en plus. Donc, je serais tout à fait de votre avis, c'est un élément important, voire très important du problème. Ce n'est pas le seul, mais cela rejoint mon idée, à savoir qu'il y avait des frontières, et les gens connaissaient ces frontières, et ces frontières étaient beaucoup moins muables qu'on a pu à un certain moment se l'imaginer. La même chose, la frontière entre l'Empire et la France. Au début de la guerre de Cent Ans, il y a Froissart, qui n'est pas un historien nationaliste, n'a rien à voir, etc. Froissart, c'est la chevalerie universelle, mais il met en scène Philippe de Valois organisant la défense du royaume, et il évoque toutes les frontières du royaume, en commençant par le nord et en finissant par le sud, et puis en rejoignant le nord, et c'est toute l'étendue du royaume de France qui est mise en défense. Et il y a un texte de pape d'Avignon, Clément V, au moment de la lutte entre Philippe le Bel et les Flamands, qui considère qu'il s'agit d'une guerre civile, parce que les Flamands font partie du royaume de France. Alors, le fait est que
que les Flamands se sont quand même détachés du royaume de France, complètement féodalement, etc. Ils ont échappé au ressort et à la souveraineté du roi de France au début du XVIe siècle, comme vous le savez. Moi, j'aurais deux arguments sans doute métaphoriques pour le passage des Gaulois aux Francs. Métaphorique parce que les historiens répètent que franc, ça veut dire noble. C'est très flatteur. Tandis que pour les Gallis, on leur dit oui, ça veut dire coq. Ça peut l'être un peu moins. Alors ça c'est une chose. Et un autre fait, alors là, totalement historiographique, c'est que la façon dont on écrit l'histoire, me semble-t-il, à la fin du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus facile à écrire lorsqu'il y a des rois. Et les Gaulois n'ont pas de roi. Donc on va commencer effectivement, mais revêt, puis Clovis, c'est encore mieux. Donc c'est plus facile à écrire, c'est mieux ressenti, et donc tant qu'il n'y a pas de roi, vous savez que les faux de cet Italien, ça y est, j'ai oublié son nom, qui a inventé des rois gaulois au début du XVIe siècle, on fait un plaisir immense en France, parce que enfin, on pouvait dire nos ancêtres les Gaulois, puisqu'il y avait des rois. Bon, on n'y a pas cru longtemps, parce que quand même, c'est totalement faux. Mais il me semble qu'il y a plus de facilité dans les mentalités au Moyen-Âge à s'assimiler à un peuple qui a eu des rois, hein, et qui en plus porte un nom quand même, Franqui, hein, les nobles et les francs, ça se comprend tout de suite, qu'aux Gaulois, qui sont effectivement, qui c'était le nom qu'on portait avant, mais c'est la même chose, d'accord, mais enfin, métaphoriquement, les francs, c'est mieux. Merci beaucoup de cette précision que j'approuve tout à fait. Je crois qu'effectivement, donc il y a les rois même organisés en dynastie en même temps aussi, etc. Donc il y a même des numéros, ce qui est encore mieux. Donc nous retrouvons ce concept de regnal sexualité que Suzanne Reynolds avait mis en lumière. Ça me paraît une idée assez lumineuse, et vous en apportez une très belle illustration. Dans les dates qui sont proposées, notamment les plus récentes, mais par exemple faire débuter les choses à la prise de la Bastille, ou même au baptême de Clovis, qui est ramené à un événement temporel, est-ce qu'on n'est pas dans une illusion pour ce qui est à l'évidence un processus? Et donc c'est quand même difficile de poser une date à partir de laquelle on serait France et Français. Et est-ce que ce processus ne commence pas, vous semblez mettre peut-être à l'époque carolingienne, mais au temps de Constantin, on voit apparaître pour la première fois Francia comme une allégorie du territoire des Francs, donc situé quelque part au-delà de la Belgique seconde. Et à la fin de l'époque mérovingienne, la Francia, c'est le royaume où règnent les rois francs. Et donc, est-ce que justement l'identification de tous les habitants du royaume, qu'ils soient d'origine gallo-romaine ou autre, avec Franqui, ne vient pas de là? Et j'ai l'impression que le terme de Franqui, au départ, désigne les francs, disons, ethniquement, et encore, il y aurait quelques nuances à apporter, mais et qu'à la fin, déjà, peut-être dans les... juste avant l'époque carolingienne, il désigne déjà les habitants de ce royaume qui se reconnaissent plus ou moins comme tels. Alors, par manière de prudence, j'ai parlé de l'époque carolingienne, effectivement. Je suis quand même très frappé par la réaction des historiens musulmans des croisades. Pour eux, c'est quand même les gens qui viennent de l'Empire franc. L'Empire franc, et ça fait référence manifestement à Charlemagne davantage qu'à Clovis. Donc vous pensez que finalement cette élaboration, cette gestation est plus ancienne, et qu'il faut remonter avant même
Charles Le Chauve, qui a été quelquefois désigné, surtout par l'historiographie franco-anglaise, comme « the typical Frenchman ». Bon, ce n'était pas un compliment, naturellement, bon, mais même Charlemagne, mais à l'époque, à la mystérieuse époque, époque mérovingienne. Alors je me demande, c'est une question que je me pose, en pratique, tous ces gens qui habitaient l'espace qui est venu de la France à l'époque de Clotaire, à l'époque de Clovis, à l'époque de Dagobert, etc., comment est-ce qu'ils s'appelaient? Comment est-ce qu'ils avaient un nom commun? Et après tout, ils auraient pu aussi s'appeler des Romains, hein, les Gallo-Romains. Hein. Et est-ce que ce mot Gallo, Gallien, nous sommes des Gaulois, nous ne savons pas. Finalement, si comment en langue qui est une langue latine, si vous voulez, de l'époque, la langue romane de l'époque carolingienne, comment est-ce que les gens, s'ils s'appelaient, je n'en sais rien après tout, peut-être qu'il n'y avait pas de nom commun, mais est-ce qu'ils s'appelaient des Gaulois et puis à un certain moment ils se sont appelés Francs. Pour moi, je n'y vois pas encore clair. Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Je ne sais pas si une enquête a déjà été menée. Je crois que les Allemands ont quand même beaucoup étudié cette question-là, mais c'est pour ça que je pense que le haut Moyen-Âge est très important, un petit peu comme pour l'Angleterre anglo-saxonne, très important, mais avec encore plus d'obscurité que dans le cas de l'Angleterre anglo-saxonne. Donc je vous remercie beaucoup de cette suggestion. Peut-être à l'inverse, on pourrait se poser la question de que désigne Franqui à partir du moment où le terme ne désigne plus les Francs ethniques. Voilà, absolument. Alors il y a la personnalité des lois, hein, la personnalité des lois qui disparaît. C'est important, hein, la personnalité des lois disparaît à un certain moment. Et je pense qu'elle disparaît davantage à l'époque carolingienne qu'à l'époque mérovingienne. De mon côté, je me demande s'il n'y a pas assimilation un peu forcée entre la notion de royaume et la notion de nation. Notamment parce que, en particulier en Bretagne, la notion de nation, à l'évidence, a subsisté pendant très longtemps. Je me demande si on ne se trouve pas dans une situation où le roi de France est un peu dans la même situation que la reine d'Angleterre aujourd'hui, en forçant un peu les choses. Je me demande enfin si le moment où l'assimilation entre les deux notions ne remonte pas en fait au moment où le français est devenu la langue officielle du royaume dans les actes officiels. C'est une dimension très importante, tout à fait, effectivement, le problème de la langue, ça revient du reste à plusieurs exemples, à plusieurs reprises à la fin du Moyen-Âge. La langue de France, la nation française, c'est souvent, bien avant le Villers-Cotterêts, etc., c'est souvent assimilé. Les gens de langue de France, c'était un petit peu les gens, au moment de la guerre de Cent Ans, ils ont un autre traitement que les gens d'origine anglaise. La langue de France, la nation de France, c'est différent. Ce qui me paraît certain, c'est que il y avait, quand on regarde un peu les textes du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle, il y a le terme de nation, qui renvoie aujourd'hui, il faut bien dire, à la nationalité française ou italienne ou espagnole, etc., est employée quand même par bien dans bien d'autres contextes que la nation française. Il y a la nation normande, il y a la nation bretonne qui est vraiment très 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 importante. On trouverait également la nation bourguignonne moins fréquemment. La nation flamande, c'est incontestable. Donc le terme de nation est un terme polysémique qui est employé pas simplement pour la nation française, ça c'est absolument certain. Donc il y a quand même eu une évolution, et nous ne sommes pas encore, en 1500, nous ne sommes pas encore au niveau que l'on a atteint après la Révolution française. Il n'y a vraiment qu'une seule nation. Il peut y avoir des patries, des petites patries, mais il y a une seule nation. La nation,
le roi et la nation, et c'est quand même le moment de la Révolution qui a remis en cause tout cela. Mais au Moyen-Âge, le terme de nation, un petit peu comme vous avez comparé avec la reine d'Angleterre, effectivement la reine d'Angleterre est la reine de plusieurs nations, le tournoi des 5 ou des 6 nations, bon, c'est une affaire entendue, justement l'Écosse, justement l'Angleterre. Mais pour la France médiévale, la nation normande, bon, je l'ai rencontrée et c'est une référence, si vous voulez, au moment des négociations au milieu du 15e siècle entre Charles VII et Henri VI. Eh bien, Charles VII dit, on va essayer de traiter avec l'adversaire de l'Angleterre et on fera venir des gens de la nation normande pour qu'ils expriment leur point de vue, voyez-vous. Donc, ceci signifie que, en tout cas, pour certaines provinces de France, peut-être moins pour d'autres, le Bourbonnais c'est moins une nation, etc. Mais en tout cas, pour la Normandie, incontestablement, il y a une nation avec sa cohérence, sa fierté, sa coutume, la coutume de Normandie, sa langue, le normand, etc. Donc il y a quand même des éléments qui plaident pour l'existence de plusieurs registres. On peut être à la fois, je crois, au Moyen-Âge, de son pays, de son village, de sa famille, de sa province, et puis en même temps du royaume de France, et à ce titre, se sentir français. Voilà, donc je crois que... Merci beaucoup de vos questions. Affaire à suivre.